J'étais très embarrassé, avant de prendre la parole en public devant vous, sur le thème du carnaval, et je le suis moins maintenant, pour deux raisons. D'abord parce que, dans l'ordre chronologique du déroulement de cette cérémonie, de ces festivités, ou de cette célébration, j'ai entendu avec un immense plaisir, que partagé, je crois, par Monsieur le ministre Jacques Ralitz, les voix de ces adolescents, ou demi-adultes, chanter des airs qui, pour beaucoup d'entre nous, nous rappellent au plus profond de nos mémoires quelque chose que nous avons adoré et qui nous constitue, qui nous structure. J'ai adoré cela et qu'on me permette. Ils sont partis, les enfants ? Ils sont allés se coucher ? Bon, ils ne peuvent pas entendre, mais que ceux d'entre eux qui ont un rapport avec les chanteurs et les chanteuses veulent bien transmettre ma gratitude et ma reconnaissance pour ce qu'ils ont fait. Donc c'est la première raison qui faisait que j'étais embarrassé, car me disais-je en les écoutant, comment pourrais-je intéresser une salle avec des mots alors que nous venons d'être transportés par des chants et par des notes de musique. Certes, on peut dire que le langage est musique, mais enfin, c'est un autre type de musique, une communication qui passe précisément par l'arbitraire du signe et par toutes ces caractéristiques complexes des langues humaines qu'a rappelé Jacques Ralitz. La seconde raison qui m'encourage et qui m'aide à dominer mon appréhension, c'est justement ce que Jacques Ralitz a dit, qu'il me pardonne de ce que je vais dire contre sa modestie, à la fois de chaleureux, de cultivé, de profondément culturel et de puissant. J'ai adoré tout ce qu'il a dit, j'ai adoré ses citations, et si je peux me permettre de lui en faire la demande publiquement, auriez-vous la bonté, monsieur le ministre, de me passer votre texte ? Parce que comment ne peut-on pas avoir envie de relire tout ce qu'il a cité, de relire tout ce qu'il en a glosé ? Tout cela est enthousiasmant, et si je n'avais que cette raison d'être heureux d'être parmi vous, elle me suffirait largement. Cela dit, allez-vous être heureux, vous, à votre tour ? J'ose l'espérer, mais bon, comme on l'a beaucoup dit, je suis un linguiste professionnel. Ça n'est pas parce que je me bats avec les langues depuis la plus petite enfance et que je nourris avec elles une relation de passion, de véritable passion, que je vais pouvoir vous passionner, vous intéresser, car après tout, le thème du carnaval est un thème sur lequel vous avez entendu, je crois déjà. Vous entendrez, il y en aura d'autres après, non ? Puisque c'est pour toute l'année. Un certain nombre d'exposés faits par des spécialistes sous des éclairages divers et à travers leurs spécialités, ce que moi je peux en dire n'est pas festif. Je ne suis pas suffisamment compétent pour parler des aspects festifs, bien que j'ai quelques petites choses à en proposer, n'est pas non plus ce qu'on devrait faire de mieux, c'est-à-dire tout simplement, au lieu d'en parler ou même d'en dire des choses qui se rapproche de ce que le carnaval contient, de le célébrer et de se mettre brusquement à jouer le carnaval devant vous ici. Il est vrai que la salle, si vaste qu'elle soit, ne le serait pas assez pour cela. Bon, ce que moi j'ai à faire, c'est d'en dire ce que les mots en disent. Et bon, après tout, je vais le faire en espérant que vous ne serez pas trop déçus. D'abord, est-ce que c'est exprès ou fortuitement que je suis amené à vous parler du carnaval ? Un jour, ce mardi 4 février, qui est la veille, c'est exprès ou c'est par hasard ? Parce que demain, eh bien, c'est Mardi Gras. Autrement dit, pour ceux qui font le carnaval, j'entends, pour ceux qui, comme il s'est sécularisé, comme il s'est laïcisé très fortement et internationalisé, ceux qui le font pour son contenu religieux, pour sa valeur dans les églises chrétiennes, ils savent que ceci est en principe le troisième des trois jours qui précède le mercredi des cendres. Ceci est la veille du troisième, dimanche, lundi, mardi, qui précède le mercredi des cendres, c'est-à-dire après-demain, lequel est le signal ou le début d'une longue période de 40 jours avant Pâques. Bon, ça, c'est l'aspect religieux. Il se trouve que je suis, moi qui ne suis pas du tout ni un croyant, ni moins encore un chrétien, très touché, très ému d'être amené à parler du carnaval à la veille de son premier, de sa veille, en somme. Que c'est le... Bon, c'est par hasard ? C'est le calendrier ? En cassé comme ça. Alors, puisque c'est ainsi, que je vous dise tout de même ce que... D'abord, j'ai combien de temps, au fait ? Il faudrait que je sache, que sinon je ne m'arrêterai pas. Comme je suis parti très bien pour moi, je ne suis pas du tout à m'arrêter, il faudra m'arrêter. Bon. Alors, ce que j'aimerais en dire d'abord, c'est que ce carnaval, eh bien, c'est un mot dont on va avant tout se demander d'où il vient. Cela s'appelle... L'étymo-jolie, oui, l'étymologie n'étant pas une science, étant très souvent controuvée ou même recevant
de sérieux démentis de l'expérience quand on propose une étymologie qui n'était pas juste, certains se sont amusés, et moi-même je les rejoins, à parler, avec une petite permutation des syllabes, d'étymo jolie. Si l'étymologie est jolie, eh bien, c'est assez pour qu'on l'accepte. Il y en a au moins trois. Je commence par les plus recommandables, par la plus recommandable, et je terminerai par celles qui le sont le moins. La plus probable, mais encore une fois, l'étymo jolie n'est pas une science, c'est juste une pratique ou un jeu mondain pour certains. La plus probable des étymologies de ce mot carnaval, c'est celle qui le fait venir d'un mot italien, exactement 1000 années, carnovale, à partir de carne levamen, un mot, lui, qui est d'origine latine, c'est-à-dire carnis levamen, de la viande, l'acte d'ôté, l'ablation, ou le fait de supprimer la viande, c'est-à-dire le fait d'ôter la chair la nuit, qui sera demain soir, du carnaval, c'est-à-dire célébrer de manière contradictoire et antiphrastique le carnaval où la chair va être ôtée, en festoyant plus que jamais, parce que précisément, comme l'indique ce mot de carnaval, le lendemain même, et pour 40 jours, au moins pour ceux qui y croient, on va cesser de festoyer. Et on va même devoir manger maigre à des degrés divers, selon les croyances. Bien, c'est la première étymologie, peut-être la moins improbable, je ne dis pas la plus probable. Une autre qui a été proposée, que certains appellent d'une façon un peu condescendante, mais les philologues sont souvent des gens d'origine bourgeoise qui ont appris à être condescendants avec ce qu'ils appellent les masses parlantes ou le peuple, une étymologie dite populaire. Je mets le mot entre gros guillemets. Elle consiste à dire « carne vale », ou « vale » en latin veut dire « adieu », c'est-à-dire « adieu la chair ». Une troisième étymologie que l'on propose aussi, elle consiste à dire que ça veut dire « carna ». Valet, c'est-à-dire qu'on l'enlève, on l'ôte, avec un mot qui a longtemps eu ce sens. Cette étymologie-là est moins sérieuse que la première, bien que la première ne soit pas finalement plus certaine, mais elle a au moins pour elle d'être, encore une fois, ce qu'on appelle, entre gros guillemets, populaire. Les gens, en effet, font ce que d'un mot très savant, on appelle une valédiction, c'est-à-dire le fait de dire adieu. Si j'ouvre un dictionnaire d'une autre langue, je trouverai des définitions qui vont dans ce sens. Alors, voilà donc un mot dont nous ne savons pas trop d'où il vient. C'est en tout cas le fait de dire adieu à la chair, le contraire de ce que font les anglophones quand ils mangent leur breakfast, c'est-à-dire leur cessation de jeûne, Au contraire, ici, on entame, on commence le jeûne. Bien, alors, comment ça va se manifester, ce sens étymologique d'un adieu à la chair et d'une célébration de la chair au maximum à la veille du jour qui est le premier de l'adieu à la chair. Ça va se manifester par des choses qui sans doute vous ont été dites par d'autres que moi, bien plus compétents dans des domaines ethnologiques ou culturels et qui vous seront dites peut-être par d'autres après, à savoir que on va avoir un déchaînement de liesse, de joie, d'amusement, de divertissement de toutes sortes avec toute une série de symboles. Le mot est un mot qui est intéressant par son origine, ça veut dire le fait de rassembler par le sens, par le contenu, des choses qui pourraient tendre à être séparées. Le symbole donne un contenu à ceux qui en soi pourraient ne pas en avoir un évident. Eh bien, symbolon en grec veut dire jeter ensemble, mettre ensemble. Tous ces symboles, ils sont de toutes sortes, ils sont de contestation du pouvoir établi. Très souvent, les carnavals ont été, au moins à l'époque, à la fin, du Moyen-Âge et durant la Renaissance, jusqu'au début de l'époque classique, jusqu'au moment où, pour des raisons diverses dont nous reparlerons, ils ont été, sinon soumis à des contraintes et même quelquefois interdits, en tout cas plus sérieusement contrôlés, eh bien, ils sont un lieu d'explosion, non seulement de joie de manger encore abondamment avant le début de la période où on mangera de moins en moins, mais aussi une explosion de tout ce qui nous libère des contraintes de la vie sociale. Autrement dit, on y verra une suspension de beaucoup de règles et même de certains tabous, y compris des tabous sexuels, du tabou érotique. Il y aura dans le carnaval une ouverture pratiquée de façon variable selon les gens vers l'amour, sous ses formes quelquefois les plus affirmées. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit que les jolies femmes au carnaval de Rio ont à être prudentes. Non pas que les vierges parmi elles soient menacées de perdre leur virginité, mais parce que le déchaînement de cette espèce de liesse et de cette espèce de divertissement de toutes sortes n'est pas sans d'importantes connotations sexuelles et érotiques. Tout cela est parfaitement adapté, bien sûr, à cette signification profonde du carnaval, parce qu'en même temps, du fait que le lendemain, les plus croyants vont se soumettre aux édits de l'Église chrétienne,
des églises chrétiennes, à savoir faire maigre, eh bien, il est normal qu'on, par antiphrase, on se livre exactement au contraire. On va donc promener un mannequin que l'on va affubler de différents noms, sur lesquels je vais revenir, et qui va accompagner un cortège de personnages déguisés, avec des concerts de bruits divers, des épisodes burlesques. Ce mannequin est un géant qui a des noms variables dans les carnavals du Nord, notamment celui de Dunkerque, celui d'autres villes du Nord et de la Wallonie belge, toutes proches géographiquement et culturellement. Il va s'appeler le Reuse, Riesen, ça veut dire un géant en allemand, et Reusen dans les dialectes qui sont liés au néerlandais. Il va s'appeler Brimbant ou Bino ou Carnaval ou Mardi Gras. Les désignations elles-mêmes deviennent celles des personnages que l'on représente en effigie et qui seront proposés, promenés de façon solennelle et burlesque, évidemment, durant les trois jours du carnaval pour être brûlés ou immergés ou détruits. Ils sont construits en paille ou dans matériaux combustibles ou fragiles pour être donc expédiés au néant à la veille du début du carême. On a également Carême Prenant, qui est un nom ancien, qui a disparu aujourd'hui, ou qui en tout cas a une connotation désuète. Et Prenant voulait dire ici, dans ce contexte, commençant, comme ceux qui prennent, et qui par conséquent représentent une étape initiale. Tous ces carnavals, donc, ce sont des moments de liesse des masses, et des moments d'explosion de tout ce qui va contre la loi, avec également un balancement des contraires, le jour, la nuit, la vie, la mort, l'enthousiasme, l'angoisse, l'optimisme, le pessimisme et tout ce qui finalement habite l'âme humaine et qui est un ensemble de terreurs ou de joies plus ou moins contrôlées selon le degré de relation avec les choses de ce monde et avec les choses de l'esprit. Ces carnavals sont aussi, il faut bien le dire, dans leurs aspects païens, païens aux yeux des églises, j'entends, pas à mes yeux naturellement, dans leurs aspects en tout cas sécularisés ou profanes, ce sont aussi des reprises de choses qui existent depuis très très longtemps. Il y avait des carnavals, avant la lettre évidemment, dans la Rome antique, et il y en avait en particulier trois qui sont bien connus et qui se terminent tous en « al », de la terminaison adjectivale « alis », qui désigne ce que le radical du mot représente, les bacchanales, les saturnales et les lupercales. Les bacchanales étaient les fêtes de Bacchus, le dieu du vin, les saturnales, celles de Saturne, bientôt, bien entendu, les lupercales étaient celles du dieu Faunus. Ces fêtes romaines qui existaient avant le début de l'Empire et qui ont connu une période de gloire au début de l'Empire, jusqu'à être elles-mêmes interdites parce qu'il y avait évidemment toutes sortes de débordements, eh bien c'était des fêtes au cours desquelles on se livrait aussi à des festins, à toute une série d'explosions de joie et où on essayait d'exprimer tout ce que l'on n'ose pas exprimer dans la vie quotidienne ou bien parce que ce qui à l'époque n'était pas l'Église, mais qui était l'ensemble des croyances et des religions dites païennes par la suite, mais qui étaient tout aussi contraignantes que le sont devenues par la suite les religions monothéistes. Contre cela, il y avait une affirmation de l'individu, ou en tout cas du groupe, fait d'individus. Et c'était à un point tel que les Lupercales, les Saturnales, les Bacchanales, ces fêtes avec aussi déchaînement de liesse, avec aussi procession burlesque et en partie sérieuse, à un moment se sont heurtés à l'autorité publique pour une raison très simple, c'est que au moins les Saturnales et dans une moindre mesure les Bacchanales, c'était aussi des moments où des sociétés secrètes qui étaient dans l'opposition politique au pouvoir impérial, complotaient, pour parler dans les termes du pouvoir, se réunissaient pour ourdir une action politique hostile à l'autorité établie, pour parler en termes plus neutres, et par conséquent étaient extrêmement suspectes. Il y a eu des emprisonnements, il y a eu même des condamnations à mort de membres de l'aristocratie romaine, de patriciens qui avaient profité des bacchanales et surtout des saturnales, dans une moindre mesure des lupercales, pour comploter contre le pouvoir impérial et ses représentants ou ses serviteurs. Cela, naturellement, est intéressant, parce que dans la mesure où les carnavals, sous leurs formes diverses, sont à travers, naturellement, ce que l'Église catholique, que les églises chrétiennes vont y apporter de contenu religieux radicalement nouveau, une sorte de continuation à travers le temps de très anciennes habitudes de se réunir pour contester quelque chose et pour laisser exploser sa joie et son désir de s'exprimer, dans cette mesure, on voit bien que l'idée de carnaval comme manifestation de l'individu ou de la société
contre ce qui est ressenti parfois comme oppression, eh bien, c'est une idée très, très ancienne. Les carnavals ont été aussi, dans leurs excès, quelque chose de redoutable pour le pouvoir établi. Si l'on considère le fameux bal des Ardents de 1392 ou 13 comme un carnaval, eh bien, il a failli coûter la vie à un monarque, Charles VI, comme vous le savez, qui déjà avait manifesté un certain nombre de comportements aberrants et qui devait par la suite devenir purement et simplement un aliéné mental. Charles VI aurait été brûlé par la combustion des seigneurs de l'aristocratie de l'époque qui s'étaient enduits de poids et qui avaient été brûlés vifs par les flambeaux des danseurs. Il a été protégé par une aristocrate du voisinage immédiat. Je ne sais plus si c'était une Marguerite, enfin bon, je ne suis pas historien, que l'on veuille bien me pardonner si je fais là une erreur ou si je ne cite pas le nom. Il aurait pu y laisser la vie. En d'autres termes, les carnavals peuvent coûter très cher à l'autorité, à l'occasion, en l'occurrence celle de la monarchie, et plus tard, l'autorité établit d'autres types. Voilà donc ici un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles le langage a beaucoup à dire, parce qu'évidemment, on donne des noms à toutes ces cérémonies, on donne des noms aux masques, on donne des noms aux danses, on donne des noms à toutes les caractéristiques qui entourent les festivités du carnaval. Bon, pour ne vous citer que quelques-uns des mots qui ont été employés par les spécialistes de cela, une des caractéristiques des carnavals dont je viens de parler, à savoir le fait de se masquer, de se travestir, et à travers cela, d'exprimer une contestation, ou bien pour se cacher, pour dérober son visage et son identité à ceux ou celles qui voudraient le révéler, ou bien pour affirmer une opposition à l'habitude courante de se montrer nu, tel que l'on est, de montrer son visage découvert, au moins dans les sociétés où on ne le voile pas. Parce qu'il y a aussi celles, évidemment, où, pour des raisons religieuses ou culturelles, on le voile de toutes les façons, même en dehors des festivités. Eh bien, tout cela, c'est quelque chose qui va recevoir des noms variés, et notamment, pour revenir au bacchanal, les bacchantes, c'est-à-dire les prêtresses de Bacchus qui se couvraient la peau de nébride, c'est-à-dire de la peau de faon ou de pardalide, pard, c'est le mot qui veut dire les léopards, c'est-à-dire de peau de léopard, elles étaient considérées comme le symbole même des débordements et des vacillations de la morale, mais naturellement cela, c'était l'image qu'en avaient les hommes, puisque depuis toujours, évidemment, la notion ici, en l'occurrence, c'est celle de Bacchante, mais d'autres notions, les notions selon lesquelles le symbole même de la violation de la morale, ce sont les femmes, est une notion, bien entendu, inventée par les hommes, ou jaloux, ou incapables de donner aux femmes, souvent de bien plus grande valeur qu'eux, leur véritable place dans la société, jusqu'à ce que le féminisme se saisisse de cette lutte et y marque un certain nombre de victoires aujourd'hui. Autrefois, évidemment, ça n'était pas du tout ainsi. Donc, nous avons affaire là à une série d'habitudes. Dans l'île de Java, on a des masques, ceux de Butoterong, une des hautes montagnes, des volcans de cette île, qui est, comme vous le savez, presque entièrement avec Sumatra, couvert de 150 volcans, tous en activité, qui fait de l'Indonésie un pays extrêmement beau, mais redoutable. Un des masques, c'est un masque qui représenter un rhinosclérome, c'est-à-dire une énorme déformation du nez descendant et de la lèvre inférieure remontant. Et autrement dit, certains masques étaient une affirmation de certaines disgrâces physiques pour mieux en montrer la disgrâce précisément. On avait également des masques de carnaval, comme ceux de la Commedia dell'arte, qui a été, comme vous savez, une époque capitale du théâtre italien, et qui a été d'ailleurs à l'origine même de l'inspiration de Molière, dont les premières pièces étaient directement issues de la Commedia dell'arte avant qu'il ne rédigeât lui-même ses pièces, soit en prose, soit mieux encore sous forme versifiée. On a donc une survivante de ces pantomimes qui remontent à l'époque romaine et qui étaient appelées autrefois, avant que les Commedia dell'arte n'en prennent le relais, les atellanes, c'est-à-dire des cérémonies dans lesquelles on avait des attelles, c'est-à-dire les tréteaux que l'on dressait pour pouvoir y installer une partie des acteurs. Plus tard, les carnavals vont devenir des thèmes d'inspiration pour une autre manifestation de la langue qui est à travers la poésie et l'opéra. Puis, comme vous le savez, le carnaval va être
une partie essentielle de certains des grands opéras. Il y a un carnaval dans l'acte 2 de Faust de Gounod. On danse, on est même sur des échasses, et lorsque le diable paraît et qu'il chante son célèbre couplet contre la religion, eh bien, le veau d'or est toujours debout, on encense sa puissance, on encense sa puissance, d'un bout du monde à l'autre bout, etc. Bon, excusez-moi de chanter un des passages les plus célèbres de Faust. Je le fais parce que c'est précisément au cours du carnaval que Méphistophélès, accompagné du docteur Faustus, qui lui a, comme vous le savez, avec son sang, signant de son sang, vendu son âme, et qui est par conséquent son jouet, et qui va devoir, en s'éprenant de Marguerite, s'éprendre sur commande, la pervertir, cette malheureuse Marguerite, une jeune femme gardée par une vieille duègne et naturellement d'une grande innocence, et tout cela est voulu par Faust, mais par Méphistophélès, par le diable, mais tout cela explose et devient particulièrement évident lors d'un carnaval, c'est-à-dire au moment où il y a une explosion de joie des masses. Il y a également, pas vraiment un carnaval, mais des scènes de danse qui s'y apparentent dans d'autres très grands opéras, et notamment dans Carmen lui-même. Si maintenant, avant d'en passer à des détails qui seront une sorte d'interrogation des carnavals sous leurs formes différentes, soit dit par parenthèse, le pluriel de carnaval est carnaval. On n'a pas carnaval carnaval, même si on peut faire le contraire. Il m'est arrivé de m'amuser à dire, après tout, pourquoi ne dirais-je pas un lavabal, singulier de lavabo. Mais lavabal ne serait pas reçu, parce que lavabo n'est pas un pluriel. Personne n'a donné à carnaval un pluriel carnaval, sauf Saint-Saëns, dans son célèbre Carnaval des animaux. Il parle des carnavaux jusque-là. Et après lui, par la suite, malheureusement, cette invention, pleine de talent, de créativité, n'a pas fait fortune. Le carnaval reste benoîtement un terme dont le pluriel, tel qu'on l'enseigne dans les écoles, ne peut pas être autre que carnaval lui-même, avec éventuellement un S qui ne se prononcera pas, puisque, comme vous savez, le français a totalement perdu son pluriel. Le français est une langue sans pluriel. Il s'agit de la langue orale, bien sûr, non pas celle que l'on écrit. L'écriture est une invention postérieure. Le français est une langue où l'on disait pendant longtemps, les carnavals, les femmes, les hommes, ça c'était un pluriel. Et puis, à partir de la fin du XIIe siècle, hélas, seul l'orthographe, qui n'est qu'un pâle reflet, l'a gardé et le français a totalement perdu son pluriel, sauf dans quelques mots, dont carnaval ne fait pas partie, mais qui quelquefois sont en hal, précisément. Bien, on a affaire donc ici à des reflets dans la langue de tout ce que le carnaval nous propose. Permettez-moi de vous en suggérer quelques-uns. Malheureusement, comme le carnaval, au moins sous la forme où il se pratiquait à l'époque médiévale, à l'époque de la Renaissance, est devenu quelque chose de beaucoup moins important, et aujourd'hui paraît désuet, sauf les aspects festifs, bien sûr, les expressions qui se sont greffées sur le carnaval ont en partie disparu. Aujourd'hui, par exemple, je me permets d'interroger la salle, diriez-vous, il est vêtu comme un carnaval, de quelqu'un qui est habillé n'importe comment. Ça ne se dit plus guère, ça s'est dit très longtemps. Bon, diriez-vous à quelqu'un qui fait qui se comporte dans un grand désordre, qui agit dans la débandade complète, lui diriez-vous, arrête ce carnaval. Oui, ça se dit encore, ça s'est dit très longtemps, et évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mot carnaval a été pendant très longtemps, dans la sensibilité des sujets parlants, des masses, en adéquation avec non seulement grande explosion de joie, non seulement scène burlesque, débandade, affichage d'un certain nombre de revendications sexuelles et érotiques, et naturellement politiques, et naturellement économiques, etc., et de liberté, mais aussi, il a été synonyme, tout cela dans la sagesse des gens qui, évidemment, est toujours heurté par ce qui dépasse les habitudes, par toutes les outrances, parce que ça n'est pas canalisé dans ce que l'on aimerait voir, pouvoir contrôler, ça apparaît aussi comme synonyme de désordre. D'où ce sens qu'a eu aussi, et que je suis heureux de voir que n'a pas perdu, carnaval dans arrêter ce carnaval. En revanche, est-ce que vous dites encore arriver comme marée en carême? Ça ne se dit plus guère. Arriver comme marée en carême, ça veut dire quoi? Eh bien ici, il s'est produit une très amusante déviation de l'expression. Dites-vous en revanche, si vous ne dites plus arriver comme marée en carême, arriver comme Mars en carême. Vous le dites, arriver comme Mars en carême est quelque chose qui devrait être synonyme que Marie en carême, parce que, en principe, le carême se passe en mars.
ou en tout cas pendant jusqu'à au début de Pâques, jusqu'au dimanche des Rameaux. Et donc, arriver comme Mars en carême devrait signifier arriver bien à point et fort à propos. Tout comme arriver comme marée en carême, parce que arriver comme marée en carême, la marée pendant très longtemps a signifié le poisson. Vous savez que le fameux Vatel s'est suicidé parce que Louis XIV, qui était depuis peu arrivé au pouvoir, nous sommes dans les premières années de la décennie 1660, n'a pas eu son poisson à temps, et par conséquent, le célèbre Vatel, il y a un film qui en a parlé, s'est suicidé parce que son honneur avait failli et que la marée, c'est-à-dire le poisson, c'est ainsi qu'on appelait ce qu'on appelle benoîtement le poisson aujourd'hui, n'était pas arrivé à temps pour servir ses seigneurs et l'ensemble de l'aristocratie et le roi lui-même. Bon, eh bien, arriver comme marée en carême, ça veut dire arriver comme le poisson en carême, c'est-à-dire comme le poisson qu'on attend au moment où, du fait qu'on fait carême, on a renoncé à la viande. Donc, ça veut dire aussi arriver bien à point. Mais bizarrement, autant que je sache, pour ceux qui emploient encore l'expression, arriver comme Mars en carême, ça signifie arriver mal à propos, et non pas bien à propos. Alors que le sens d'origine, ça a été exactement le contraire. Enfin, ce n'est pas le seul cas de ces déviations de sens qui, justement, parce qu'il y a une créativité, un désir d'invention, un désir de libération, eh bien, en viennent à subvertir les expressions et à leur donner, par antiphrase, le sens opposé à celui qu'elles ont d'après leur origine. Bien, d'autres expressions qui sont elles aussi liées au carnaval. Est-ce que vous diriez ce que disait Béranger ? Il est triste comme s'il venait d'enterrer carnaval. Est-ce qu'on dit encore ça ? On ne le dit plus guère. À quoi ça fait allusion ? Eh bien, à ce que tout à l'heure je me permettais de rappeler, à savoir au fait qu'à la fin du mardi, qui sera donc demain, le dernier jour, on brûle ou on enterre ou on y immerge le bonhomme ridicule, construit de façon burlesque, censé représenter carnaval, l'on a construit. Et par conséquent, lorsqu'on enterre carnaval, on est triste, puisque le lendemain, c'est le mercredi des cendres. Qu'est-ce que c'est que le mercredi des cendres ? C'est, je suppose, je ne vais pas tenir le langage que devrait tenir l'officiant, d'autant plus que je ressemble peu, j'espère, à un officiant, le mercredi des cendres, c'est celui où l'officiant, le prêtre, dans les églises romaines, se sert de cendres qu'on a conservées pendant très longtemps dans une boîte et qui sont les cendres produites par la combustion du rameau ou des rameaux d'olivier ou de buis ou de laurier qu'on a brûlé le dimanche des rameaux de l'année précédente. On le garde pendant environ un an, un peu moins d'un an, moins une semaine, et on s'en sert pour enduire le front des fidèles qui viennent communier, et le prêtre, en même temps qu'il se sert de ces cendres, qui datent d'un an, mais qui ont un caractère hautement symbolique dans l'Église romaine, ainsi que dans les autres églises de la chrétienté, prononce les fameux mots « Tu es cendre et tu reviendras à la cendre », c'est-à-dire des mots, comme vous le voyez, pleins de joie, de vitalité et de réjouissance. Que l'on veuille bien me pardonner, je ne veux pas heurter ici les croyances, je ne veux pas heurter les convictions, je les respecte profondément, même si je ne les partage pas, mais cela me rappelle ce que j'entendis dire un jour à quelqu'un. Je vais dire quelque chose d'offensant, mais que je dirai de façon aussi courtoise que possible, à quelqu'un qui était un esprit libre, sans grande culture, mais pas un culte, quelqu'un d'un pays très exotique, très éloigné, qui, découvrant les symboles du christianisme, disait « Mais comment ? Le symbole de votre religion, je dis, c'est pas du tout la mienne, je suis né dans ce contexte, mais je connais ce contexte culturel, mais c'est pas la mienne. Le symbole de la religion dans le contexte duquel vous êtes né, c'est quelqu'un qui souffre. » Et oui, c'est quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est supplicié. C'est ça le symbole de cette religion. Je ferme tout de suite cette parenthèse. Bien. Alors, ici, nous avons donc dans ce mercredi des cendres l'inscription au front par le prêtre des cendres comme symbole de l'humilité qu'on appelle, ou du besoin de se repentir, du besoin de se repentir. Est-ce acceptable ? Car, je le rappelle, c'est une parenthèse toujours sur le carnaval, dans un carnaval très célèbre en Amérique latine, qui est celui de Cusco, au Pérou, ce qui fut autrefois la capitale de l'Inca, eh bien, on reproduit, on rejoue, on resimule ce que fut la grande humiliation, le grand malheur de l'Empire Inca, c'est-à-dire l'origine même de l'histoire du Pérou d'aujourd'hui, à savoir la
l'épisode au cours duquel Atahualpa, le fameux Inca, qui s'était couvert de gloire en ralliant autour de Cusco, autour de son empire, la quasi-totalité des empires voisins, en 1532, c'est-à-dire l'année même qui précède l'arrivée des conquistadores à travers un porcher de la banlieue de Madrid, c'est-à-dire Pizarro, le conquérant du Pérou, un illettré. Eh bien, cet homme donc arrive, il déjoue plans militaires de Atahualpa, l'empereur des Incas. Il vint avec 170 hommes armés, alors que Atahualpa s'était porté à sa rencontre avec 2000 combattants Incas, mais qui naturellement ont été, tout le monde connaît ce phénomène, pénétrés d'horreur et d'effroi quasiment religieux en voyant ces hommes bardés d'acier et qui par conséquent sont apparus comme probablement d'origine de l'au-delà et donc redoutables. Ça, c'est l'histoire de conquête du Pérou. Et Atahualpa est donc invité fermement à se convertir à la religion nouvelle qui vient d'être apportée par les missionnaires, dans le sillage des conquistadores, bien entendu, et il refuse de jurer sur un livre qu'on lui présente, la Bible, en disant qu'il s'agit là d'un ensemble de feuilles qui sont tirées des marais et des roseaux, car c'était avec le bois des roseaux qu'on fabriquait les parchemins sur lesquels on écrivait les textes sacrés de la religion des Quechua, les Incas, en langue Quechua. Et immédiatement, il est exécuté. De sorte que le carnaval de Lima ou de Cusco dans le Pérou d'aujourd'hui, c'est, tout comme ceux de l'Occident sont ou ont été longtemps des façons de s'affirmer contre l'ordre dominant, c'est une façon de ressasser de manière doloriste, mais en même temps en essayant de s'en purger dans une certaine mesure, l'humiliation profonde qui est à l'origine de l'histoire du Pérou, c'est-à-dire l'exécution d'Atahualpa, un très grand chanteur roumain, péruvien, a pris le nom d'Atahualpa. Il s'appelle Yupanqui et il chante sur sa guitare des chants en quechua, naturellement, ou en aymara, l'autre grande langue de cette région des Andes, tout comme ceux qui, lors du carnaval, s'affirment contre le pouvoir d'origine espagnole, qui est aujourd'hui celui du Pérou. Et on s'affirme contre ce pouvoir, naturellement, en runa simi. Simi veut dire langue en quechua, et non pas en castilla simi. Castilla veut dire espagnol, car évidemment, les Péruviens, comme l'ensemble des populations de l'Amérique dite latine, appellent l'espagnol el castellano, et non pas el espagnol, parce que l'appeler el castellano, c'est à la fois l'exorciser en le réduisant à une province, et en même temps éviter de désigner par le nom du pouvoir conquérant ceux qui ont conquis et qui ont imposé leur langue venaient de Castille. Vous voyez la connotation d'opposition, de refuser d'appeler l'espagnol el idioma espagnol ou el espagnol, mais de l'appeler el castellano. Bien, je ferme cette parenthèse sur ce que représente aujourd'hui encore le carnaval de Cusco dans les Andes, à plus de 4000 mètres d'altitude au Pérou, pour en revenir à d'autres expressions encore qui me paraissent intéressantes à propos de ce qui est autour du carnaval, c'est-à-dire de ce qui va le suivre, de ce que va être le dimanche des Rameaux et ce que va être ensuite le début de Pâques. Le dimanche des Rameaux, il précède d'une semaine le dimanche de Pâques. Que se passe-t-il entre les rameaux et Pâques? Le dimanche des Rameaux, dans la liturgie chrétienne, il représente la célébration du retour triomphal à Jérusalem de Yehoshua de Nazareth. Pardonnez-moi de l'appeler comme l'appelaient ses contemporains. Il s'appelait Yehoshua de Nazareth. L'Église catholique, les Églises l'appellent bien entendu autrement, c'est-à-dire l'appel de son nom latinisé, Jésus, Yehoshua, son nom hébraïque. Sa langue était évidemment non pas l'hébreu, qui avait disparu depuis l'exil de Babylone en Israël, Palestine, mais la langue que parlaient tous les juifs de son époque, comme lui-même, autres juifs, à savoir l'araméen. Bon, on le désignait du nom de la ville où il a passé la plus grande partie de sa vie, bien qu'il fût né à Bethléem, il était appelé par tout le monde Yehoshua de Nazareth. Bon, permettez-moi de l'appeler ainsi, puisque l'autre nom appartient à l'Église chrétienne, à l'Église catholique, à l'Église orthodoxe, à l'Église protestante, et que ce n'est pas en ce nom-là que je m'exprime ici. Mais, si vous le permettez, bien que le carnaval soit une fête à forte notation religieuse, dans un contexte laïcisé. Veuillez m'en absoudre si je puis employer ce verbe. Ou me donner l'absoute ou l'absolution. Bien, lorsque Yehoshua de Nazareth
fait son entrée triomphale à Jérusalem. Ses disciples viennent devant de lui. Ceci est raconté en détail chez les quatre évangélistes, surtout saint Luc, c'est-à-dire celui, qui était probablement le moins lettré et donc auquel on peut faire le plus confiance. Jean, Matthieu et Marc racontent de façon plus détaillée, avec probablement un peu plus de métaphores, mais nous savons surtout par Luc que les disciples venant au devant de Yeshua de Nazareth pour l'accueillir le font ce jour qui sera dans la liturgie chrétienne, le dimanche des rameaux. Ils l'accueillent avec des rameaux d'olivier représentant l'accueil à celui qui revient, et par conséquent l'hospitalité, la bienveillance, l'amour même, l'ouverture à tout ce qu'il leur semble représenter de nouveau ou d'espérance. C'est ainsi naturellement qu'il était perçu par les masses. Et la semaine suivante commence Pâques, c'est-à-dire période de célébration de sa naissance et de ce qui s'en est suivi dans les églises chrétiennes. Soit dit par parenthèse, la période qui sépare mercredi des cendres, le mardi gras, et puis la période de Pâques, c'est une période de 40 jours qui n'a pas de nom particulier, sauf carême dans la liturgie chrétienne et dans la plupart des langues, carême lui-même venant de quadragesima, c'est-à-dire 40 jours. En revanche, en d'autres langues, le nom est différent. En allemand et en anglais, ça s'appelle Lent. En anglais, c'est le nom que l'on donne à cette période de 40 jours, et Lent vient du germanique langatina. Lang veut dire long, tina est le vieux mot indo-européen pour dire jour, c'est-à-dire de longs jours. Ce sont de longs jours, ou bien pour les plus profanes, parce que ça dure vraiment très longtemps de manger maigre, ou bien pour ceux qui sont pénétrés de ferveur religieuse, parce que ce sont des jours d'adoration, et où non seulement on accepte de faire maigre, mais aussi on se réjouit de devoir, à travers ce biais-là, en venir un jour, enfin, à Pâques. Bon, cet ensemble d'expressions varie avec les langues. En russe, par exemple, à propos de Pâques, on donne à propos du carnaval plutôt, on donne au carnaval, au Mardi Gras plus spécifiquement, mais au carnaval en général, à ces trois jours, le nom de Maslenitsa. Et Maslenitsa en russe signifie le moment gras. Maslo signifie huile ou beurre. Le russe ne distingue pas l'huile et le beurre. Des régions culturelles qui tiennent à l'origine des coutumes de la vieille Russie. Et donc, Maslenitsa, qui signifie donc le carnaval, signifie en fait le moment gras, le moment huileux ou beurré. Voilà de quelle façon il est perçu dans l'admirable langue russe. En même temps, cela donne lieu à un certain nombre d'expressions. Par exemple, il y a un razgavor. Razgavor signifie un proverbe en russe. Et ce razgavor, ce proverbe, c'est Nievsio katu matenissa. Ça n'est pas tout qui pour le chat est de l'huile. Quelqu'un voit-il ce que ça veut dire? C'est une façon imagée de dire quelque chose qu'en français on dit autrement. Ça signifie que ça n'est pas toujours fait. On dit la manière de dire ça n'est pas toujours fait se sert d'un mot emprunté à ce mot qui désigne le carnaval. Dans d'autres langues, on a d'autres choses. Comment dit-on carnaval en chinois, par exemple? Eh bien, le chinois dit quan quan tie. Quan quan tie, c'est-à-dire quan quan signifie le divertissement joyeux. Quan signifie joie. Quan signifie qu'on est dans une sorte d'euphorie, de moment d'ouverture à tout ce qu'il y a d'heureux. Et tie signifie une fête. Donc quan quan tie est la manière chinoise de dire le moment de joie et de fête ou d'explosion. En arabe, il n'y a pas de mot et pour cause. Le carnaval n'est pas proprement une fête de l'islam, mais néanmoins, pour la partie christianisée de la communauté arabe, notamment une partie relativement importante de la Syrie, du Liban et de l'Irak, eh bien, il y a un mot qui est marfa. Et marfa signifie ce qui est élevé, ce qui est haut. Métaphore, peut-être un petit peu simple, pour désigner le fait que le carnaval est considéré comme une haute époque. Si l'on interroge d'autres langues encore, j'ai regardé mon dictionnaire japonais, et en japonais, je ne sais plus ce que j'ai fait de ce papier, bon, peu importe, en japonais, on a « okonowaru karimashita hawaraka ».
c'est-à-dire non nakani, c'est-à-dire tout simplement la différence, la période qui sépare le moment du gras et le moment de Pâques ou de la célébration du retour de l'homme des chrétiens, de Yeshua de Nazareth, à Jérusalem. Bon, autrement dit, en japonais, bien qu'il y ait une communauté chrétienne au Japon, petite mais active, il n'y a pas d'équivalent autre qu'une glose définitoire de ce qu'est le carnaval, alors que d'autres langues l'ont. J'en viens, si vous le voulez bien, à d'autres aspects également linguistiques, et notamment à un des éléments essentiels du carnaval, qui est le masque. Le masque s'exprime dans bien des langues d'une façon fort intéressante, et l'avatar le plus récent du masque, c'est le masque que vend la cosméticienne ou la parfumeuse. Et lorsqu'on regarde un visage hyper fardé, un de ces visages qui, chez les filles véritablement très fardées, risque de lui rendre la marche difficile à force d'alourdissement. Enfin bon, je suis méchant. Mais en tout cas, quand on regarde ce qu'il y a dans ce masque au sens le plus moderne, c'est-à-dire dans son avatar cosmétique, on s'interroge sur ce que ces mots signifient, notamment le mot cosmétique. Et si vous cherchez ce que ce mot veut dire, eh bien vous apercevez que le mot cosmétique qui évoque, si évidemment par sa racine, indépendamment de la terminaison adjectivale, éthikos du grec ancien et du grec moderne aussi, éthiko, si sa racine évoque cosmos, vous vous dites, mais est-ce que c'est ça? Le rapport paraît tellement lointain. Eh bien, pourtant, c'est bien ça. Quel rapport entre la décoration, l'offrande de la beauté d'un visage restauré ou orné aux regards étrangers ou à soi-même et le monde? Eh bien, un rapport étroit. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous consultez un dictionnaire grec, du grec ancien, pas seulement du grec romaïque ou démotique d'aujourd'hui, qui en est l'héritier après 3000 ans, comme vous savez, depuis la vieille langue du monde, avec l'araméen toujours parlé aujourd'hui, la langue que parlait Jésus. Eh bien, si vous regardez donc un dictionnaire, vous voyez que cosmos a comme sens premier arrangement, mise en ordre. Ce que fait précisément le cosmétique. Autrement dit, les cosmétiques mettent de l'ordre, mettent en arrangement un visage humain, juste comme le cosmos, qui en est étymologiquement très étroitement proche, est vu par la philosophie grecque ancienne, celle d'Anaximandre, celle des présocratiques, celle d'Anaxitèle, de tous ceux qui ont été les fondants même de la philosophie grecque antique, il est vu comme un arrangement. Je livre cela à la réflexion. Le prof de philo, vous êtes là, la dame, la collègue qui est venue me voir avec les lycéens l'autre jour? Où est-ce que vous êtes, la prof de philo? Vous n'êtes pas là? Elle est là? Eh bien, je vous le livre, madame et chers collègues. Vous vous rappelez, on avait un peu parlé de philo quand vous êtes venu me voir avec les lycéens. Je livre à votre réflexion de philosophe, vous le savez certainement déjà, les Grecs anciens voyaient le monde comme l'ordre, comme ce qui est pénétré d'ordre, ainsi que nous le dit le mot cosmétique, c'est-à-dire le fait de mettre en ordre le visage humain. Et ce que je lis à votre réflexion, et qui n'est pas sans intérêt pour la pensée, et même pour nos échappées métaphysiques, c'est que, à cette vision du monde comme ordre des choses, on pourrait opposer une vision du monde comme le symbole même du désordre, de la destruction, et pourtant, l'aventure humaine, permettez-moi cette échappée, bien que je ne sois pas philosophe, s'est échappé en dehors de mes modestes compétences, l'aventure du monde n'est-elle pas justement une lutte, une dialectique, un affrontement permanent entre le désordre absolu de la nature qui est manifesté par les violences de sa remise en question géologique et géologique permanente, tremblements de terre, tsunamis, éruptions volcaniques, en étant les manifestations les plus spectaculaires, et puis de l'autre côté, ce cas d'admirable, de génial, l'action humaine, l'action du génie humain qui essaye d'imposer l'ordre à ce monde tout entier tissé de désordre et d'aventures violentes. Le fait que la sagesse grecque ancienne, elle nous a fourni la psychanalyse de manière géniale, elle nous fournit aussi matière à réflexion à travers les racines qui parlent, qui nous expliquent, qui nous disent quelque chose, le fait que la sagesse grecque ancienne ait vu le monde comme ce qui est une mise en ordre alors qu'il saute aux yeux qu'il est en même temps un profond et violent désordre, voilà de quoi, n'est-ce pas, madame et chers collègues philosophes, proposer à vos élèves comme thème de réflexion. Je ne sais pas si ça les intéressera,
Mais enfin, bon, moi, ça m'intéresse. J'en viens maintenant, si vous le voulez bien. Est-ce que je dois m'arrêter ou est-ce qu'il reste du temps? Vous vous gardez de me dire combien, parce que si vous ne me le dites pas, je vais en prendre beaucoup. Mais je vais essayer de m'arrêter moi-même, quand même. Bon, combien me reste-t-il, monsieur le ministre, aurez la bonté de me le dire? Vous mettez de l'ordre dans votre désordre. Merci. Bon. Alors, dans Tartuffe de Molière, acte 2, scène 2, on lit « Là, dans le carnaval, vous pouvez espérer le bal et la grand-bande, à savoir les deux musettes et peut-être parfois Fagotin et les marionnettes. » Dans Voltaire, lettre à Catherine numéro 34, les hospodars de Valachie et de Moldavie, c'est-à-dire les provinces dont la Réunion a constitué plus tard la Roumanie en 1850, ne feront pas leur carnaval à Venise, ce qui veut dire qu'ils auront de gros problèmes. Dans Béranger, vous trouvez une de ses chansons les plus célèbres, « Depuis que chez ma cousine qui jeûnait en carnaval, il n'y avait plus d'argent. » Jeûner en carnaval, dites-vous encore, ça ne se dit plus guère, ça voulait dire être très pauvre, car en carnaval on ne jeûne pas, précisément. C'est une façon donc de se servir dans le son de carnaval pour marquer l'idée de pauvreté de malheureux particulièrement démunis. Bien, j'en viens, si vous le voulez, à la manière dont le carnaval est exploité, puisque tout à l'heure je citais la psychanalyse, chez les psychanalystes. On lit sous la plume de l'un d'entre eux que le carnaval, c'est avec cette figuration des contraires, avec cette figuration de le sexe et au contraire le tabou sexuel, la liberté et les contraintes, le jour, la nuit, la vie, la mort, le carnaval, ce n'est au fond que par son explosion même l'expression de tout ce qui est refoulé. Évidemment, la notion de refoulé et d'inconscience sont des notions un peu récurrentes dans le discours psychanalytique, mais enfin bon, permettez-moi de vous les resservir avec autant de liberté que je ne suis pas psychanalyste. Et ce ressurgissement du refoulé à travers le carnaval, c'est la manière dont, dans la pensée psychanalytique, on va voir l'explosion qui n'est peut-être qu'une expression de l'angoisse face à tout ce qui nous menace et qui en même temps est contredit par la vie et par la pulsion vitale. C'est là, au fond, le carnaval est peut-être ce qui, de façon scintillante et par un précipité extrêmement rapide, représente l'histoire même de la destinée humaine. Bon, alors, comment ça se manifeste dans la manière dont c'est parlé à travers les grands carnavals de l'histoire? Je commence par le plus célèbre, celui de Rio, qui est très récent, puisqu'il date du XIXe siècle, et je vous donne quelques idées des mots de ce carnaval. Il est entré par l'entrudo, c'est-à-dire en latin introitus, c'est-à-dire l'entrée dans le carême, l'introduction, et c'est ça qui manifeste le carnaval tel qu'il est représenté à Rio de Janeiro, c'est-à-dire rivière de janvier, la manière dont les premiers navigateurs désignèrent cette admirable vue du Mont Corcovado, du pain sucre, du pain de azúcar et de tout ce qui les a fascinés lorsqu'ils arrivèrent face à ceux qui ne s'appelaient pas encore Rio de Janeiro à l'époque. Et de même, plus au nord, ils arrivèrent face à ceux qui devaient s'appeler plus tard Salvador de Bahia et qui fut la première très grande ville brésilienne, capitale du Brésil à l'époque coloniale colonisation lusitanienne, c'est-à-dire portugaise. Ensuite, au XIXe siècle, on a commencé à voir apparaître à Rio de Janeiro les cordons. Cordão, qui veut dire cordon, cordões, dans son pluriel portugais, c'est-à-dire des petits groupes qui déambulent dans les rues des villes en dansant et en jouant de la musique. Et la première musique composée pour le carnaval, elle va s'appeler Ou abre alch, oh, ouvre tes ailes, c'est-à-dire ouvre les allées, c'est-à-dire une sorte d'invitation à la débandade générale qui est le symbole du carnaval. On a également des défilés de bandes, c'est-à-dire d'orchestres, de blocos, c'est-à-dire de groupes habitants d'un même quartier. Ici, ce mot blocos est celui dont on désigne sous le terme blocks, séparations entre les rues dans les grandes villes d'Amérique du Nord. On a également les défilés des écoles de samba, qui
sont appelés en général l'enredo, c'est-à-dire les thèmes très divers qui sont ceux du défilé. Enredo. On a un certain nombre de lexiques différents selon la région du Brésil qui est concernée, puisque ce carnaval de Rio naturellement fait des émules, c'est-à-dire Minas Gerais, Amazonas, Bahia et d'autres parties du Brésil. Si j'en viens maintenant à un autre carnaval très célèbre, qui est celui de Venise, alors lui, contrairement à celui de Rio, il est très très ancien et son vocabulaire est connu depuis très longtemps. C'est les tabarro, tabarri, les grandes capes que tout le monde connaît. C'est également la masque, le masque en carton bouilli qui s'appelle la bauta en dialecte vénitien. Je ne dis pas vénète. Le vénète est une autre langue en dialecte de Venise, vénitien, et plus singulièrement du quartier de Dorsoduro, qui est celui que l'on trouve juste avant le pont de l'Académie, comme chacun sait, qui est allé dans cette ville de rêve et d'enchantement. Bon, on a encore d'autres termes qui sont typiques du bal de Venise, notamment le bal de la Teriaca. La Teriaca, c'est la Teriaque, c'est-à-dire le symbole dont se servait Marc Aurèle, dont se servaient les empereurs de l'Antiquité. La Teriaque, aujourd'hui, même les médecins cultivés, qui sait encore ce que c'est qu'une Teriaque ? C'était une plante, une panacée, comme l'indique le mot panacée, qui guérit tout en grec, dont se servaient l'aristocratie, les gens les heureux, ceux qui avaient des moyens et qui étaient censés être un remède à tous les maux. Eh bien, à la Teriaque, on dédie un bal parmi les bals de Rio de Janeiro. On a également Venise, pardon. On a un grand bal à La Fenice, le célèbre théâtre de La Fenice qui brûla il y a une dizaine d'années, qui a été reconstruit, très célèbre. Et au bal de La Fenice, on a la cavalcina, c'est-à-dire un bal avec des cavalcades. Pas sur le Canal Grande, bien sûr, mais sur les très grands bateaux qui le traversent et qui sont apprêtés pour l'occasion. On a également d'autres caractéristiques. On a le Sestiere de San Polo, c'est-à-dire un défilé d'un quartier de Venise qui va réjouir la vue des gens parce que c'est un ensemble de spectacles qui sont destinés à Dorsoduro, à s'adresser au toucher, à Santa Croce, à l'odorat, à Cannareggio, au goût, à Castello, à Louis, et à San Polo, à la vue. Tout l'ensemble, évidemment, étant réuni sur la Piazza San Marco, c'est-à-dire la très célèbre place où se trouve le palais des Doges et l'église San Marco, et qui donne sur la mer, dans l'émotion. Voilà, très rapidement, sur le carnaval de Venise. Celui de Nice, maintenant, un autre carnaval très célèbre. Alors, lui, il a aussi son vocabulaire. On va représenter le bonhomme qui va être brûlé donc à la fin du mardi comme le roi des ratapignatas, c'est-à-dire des ramasqués. On va représenter également sur les grandes avenues et la promenade des Anglais un certain nombre de spectacles avec des confetti, des saleia, un corso qui est organisé sur une des grandes avenues du Venise interne, pas de la promenade des Anglais. Et tout cela, je ne vais pas vous en parler trop parce qu'il y a un nombre considérable de mots qui indiquent une floraison du vocabulaire, en même temps que la floraison même de toutes ces cérémonies. Un d'entre eux, que je vous cite quand même, c'est un mot valise, c'est carnavalcade, c'est-à-dire la cavalcade du carnaval, carnaval cavalcade. Un mot valise, c'est un mot que l'on fabrique en mettant ensemble deux mots, en abrégeant les syllabes finales du premier et les syllabes initiales du second, un peu comme dans l'horrible brunch sur breakfast and lunch. Bien. Donc ici, j'ai affaire à un certain nombre de caractéristiques du carnaval de Nice. Je passe rapidement à d'autres carnavals moins connus. On a celui Holi, dans l'Inde gangétique à Hyderabad, c'est une fête des couleurs, ce que veut dire le mot, le hindi, qui n'existe pas en bengali, Holi, et cela se fait dans une région dont la religion et les cultures est hindouiste, rien à voir avec le christianisme. Néanmoins, c'est à l'image même de ce qui s'est passé. La profanation, diraient certains, laïcisation ou sécularisation, diraient d'autres en termes plus neutres, du carnaval à très fort contenu chrétien à l'origine dont j'ai assez parlé, montre bien, puisque c'est célébré aussi en février et en mars, que le thème du carnaval, de façon consciente, ou chez d'autres peut-être mécanique ou inconsciente, a été et devenu quelque chose d'universel. Comme quoi,
autant on a repris quelque chose qui était pré-chrétien et qui était les Lupercales, les Saturnales et les Bacchanales romaines, autant l'investissement par un contenu chrétien très précis de ce qu'est le Bacchanal est devenu à son tour la suggestion d'une festivité générale, y compris dans des civilisations qui n'ont absolument rien à voir avec le christianisme et qui néanmoins, tout en sachant, au moins chez les plus lettrés d'entre eux, que ce que l'on fête, on le fête à la même période où les chrétiens le fêtent, eh bien, on le fête en réalité comme une occasion d'explosion et de joie ou de contestation politique, compte tenu essentiel aussi du carnaval, comme je l'ai dit. Si nous passons au Japon, on a dans certaines des villes japonaises, pas les plus grandes, à Hakata Dontaku, à Fukuoka, à Gionmasuri, à Kyoto, et à Tsukushima. Tsukushima est l'île de Tsukushima, veut dire une île, comme vous savez, et dans un certain nombre de lieux qui sont à Shinkoku, c'est-à-dire la petite île au bord de la fameuse Méditerranée japonaise au sud-ouest du Japon, et non pas dans la grande île où se trouvent Tokyo, Yokohama et Kobe et Osaka et les grandes autres villes japonaises. On a donc ici ce qu'on appelle en japonais « awa odoru ». Awa odori, odoru, odoru signifie danser, odori est le substantif en i, dérivé d'un infinitif en u, et awa est le nom d'une province ancienne, et les danses d'awa odoru, elles saluent l'arrivée des esprits des ancêtres sur la terre des vivants. Autrement dit, vous voyez comment on japonise, tout comme les Chinois ont sinisé tout, les Chinois sont géniaux pour tout sinisé, ils ont sinisé le marxisme sous la forme du maoïsme, comme vous savez, ils ont tout sinisé, et le génie de sinisation, certes, n'est pas égalé par le génie de japonisation, de yamatoisation du Japon, mais enfin, a fait des émules de ce côté-là, depuis très longtemps. Bien, voilà en deux mots, je vais très vite, ce qu'on peut dire sur un autre carnaval, celui de certaines villes japonaises, et puis je terminerai en parlant à la fin des carnavals de deux pays voisins de la France. Celui de Dunkerque en France déjà est très important et il donne lieu lui aussi à une explosion de mots. On a les déguisements des bestelkletche, c'est-à-dire de ceux qui sont les meilleurs des notables de la ville. On a également des carnavals, comme celui de Dunkerque, des villes et des villages, des agglomérations du pays wallon voisin, dans lequel on a là aussi une extraordinaire explosion de vocabulaire en Wallonie, que je n'ai pas le temps de vous donner en détail, mais tout cela a lieu à Arlon, province du Luxembourg, en Belgique, à Bassange, à Bastogne, province du Luxembourg aussi, à Couvin, à Eupen. Eupen se trouve dans les fameux cantons rédimés, c'est-à-dire les trois cantons germanophones du sud-est, de l'extrême sud-est de la Belgique, qui appartiennent à la province de Liège administrativement, et qui, pardonnez-moi cette incursion, dans un douloureux problème de l'époque, qui n'a rien à voir avec la langue, font que nous avons bon espoir que la Belgique restera elle-même, car pour que l'on résolve les conflits wallons-flamands par la division, il faudrait que l'on accepta de ne pas tenir compte de la troisième partie qui est les germanophones et qui est celle des fameux cantons du sud-est. Grâce à eux, la Belgique pourrait vivre. Bien, je ferme cette parenthèse. Je pense ici à l'aspect linguistique, bien sûr, parler allemand et non pas Allgemein Beschaafte Nederlands, ABN, c'est-à-dire néerlandais ou français dans sa variante wallonne, c'est assez pour permettre à un pays d'être trilingue et par conséquent, peut-être, de pouvoir survivre au conflit entre les bilingues. Bien, j'en viens maintenant au carnaval de pays anglophones et notamment à ce que l'on peut lire comme définition si l'on s'adresse à un dictionnaire anglophone. Le carnaval est appelé dans le Webster « period of feasting and revelry », c'est-à-dire période de festivité et d'explosion de joie, « and boisterous merrymaking » et de manifestations bruyantes, « for valediction to flesh », afin de manifester l'adieu à la chair, « just before Lent », juste avant Lent, la période donc de 40 jours de Mardi Gras, by fasting and penitence, c'est-à-dire par le jeûne et la pénitence. Soit dit par parenthèse, cette manière de définir le carnaval, carnival, il s'écrit avec un i en anglais, est intéressante parce qu'elle nous montre bien que dans le contexte essentiellement huguenot, bien qu'il y ait une forte minorité catholique, en passe de devenir une majorité maintenant, au moins au Canada, et peut-être aux États-Unis. Dans ce contexte huguenot à l'origine, eh bien, l'interprétation du carnaval était une interprétation huguenote, c'est-à-dire de ses aspects
considérés comme les plus marquants, c'est-à-dire fasting, penitence et tout ce qui est à l'opposé des explosions de joie. Voilà quel est l'idéal culturel qui est proposé à l'Europe. Merci. Thank you.